Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Resist 2 avec des petits soldats par contre je sais plus où j'en étais la dernière fois. J'ai l'impression que je suis revenu dans le passé, c'est ça ce qui est un peu étrange. Mais ça doit pas être énorme sinon ce serait embêtant. Et maintenant, on fait quoi? Oh là 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 là, s'il faut sécuriser les entrées, maintenant on est mal barré, hein. Ah, d'accord. Mode armure activée, mode armure activée. Énergie, énergie remonte. Armure, m'a du mal. Bonjour. J'aimerais pouvoir repartir, mon petit monsieur. Je veux pas mourir, moi. Oui, je sais, mais j'ai plus d'armes, moi. Oh là 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 là, on est mal barré. Faudrait juste un lance-missile en fait. Ça serait un peu mieux avec. Bonjour. Allez, 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 allez. Bonjour. Non, vraiment, c'est sûr. Tu sais combien de balles je lui ai mis? Ah bon? Ici Barclay, à toutes les unités du terminus. L'évacuation commence immédiatement depuis les quais du niveau inférieur. Ah bah non, on était bien là. Rendez-vous sur place. Abandonnez le matériel et escortez les blessés. Compagnie Bravo, supervisez l'opération. Je veux un détachement armé posté sur chaque train. Compagnie Alpha et Echo. Et moi, je fais quoi? Hein? Hein? Que faire? Que faire en attendant? Là est toute la gestion. Ou pas. Cela dépendra. Eh ben, dis donc, il est mal barré, hein? Ou pas. Localiser le colonel Barclay. Faut faire quoi? Restez où vous êtes. Baissez votre arme. Identifiez-vous. Arrêtez. Arrêtez. C'est un marine. Le docteur Gould dit que c'est Alcatraz. Gould? Cette pauvre tâche, est-ce qu'il y connaît? C'est le passé. Merci. Non, il y a vraiment un mec là-dedans. Mon vieux, t'as pas bonne mine. Ouais, je sais. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Mais tu vois, au moins je peux parler. Le colonel Barclay t'attend. Suis-moi. Ah.
Et y a rien à faire. Il doit bien y avoir un moyen. Putain, ma femme est là-dedans, connard. Laissez-moi monter la rejoindre. Vous entendez? Je regrette, monsieur. Votre calme, elle est contagieuse. Elle a peur. Laissez-moi la rejoindre. Qu'est-ce que vous allez faire? Restez tranquille. Ah, bon. Tentez-vous de me donner une arme. Celle des bancs. Quand ça pètera, vous aurez besoin de tous les hommes valides pour vous en tirer. Désolé. Mais puisque vous avez été reclassé, on doit vous désarmer à vue. Eh, j'étais un des vôtres avant ça. 9 ans dans l'US Armée. Tout comme vous, mes gars. Restez tranquille. Je suis à Marine. Bon, je sais pas, mais vous avez quitté l'armée. Vous n'avez plus de privilèges. Ok, c'est bon. Merci. En même temps, je peux pas être contaminé, je suis le seul puissant avec une armure énorme. Mais what? J'aime pas l'eau. D'accord. Docteur Gould, j'apprécie l'aide que vous nous avez fournie, mais c'est une opération militaire, je vous le rappelle. Vous êtes un civil. La loi martiale. La loi martiale, oui. Si la situation vous plaît, tant mieux. Mais vous ne m'écoutez pas, colonel. Nous devons. Alcatraz, tu as réussi. Bienvenue parmi nous, Marine. Mes hommes ne tarissent pas d'éloge. En fait, la plupart ont même peur de toi. C'est pas un simple troufion qu'on envoie au casse-pipe. Il faut qu'on... Il est sous mon commandement. On aura besoin d'un maximum d'hommes pour protéger cette zone jusqu'à l'évacuation. Colonel. Je pourrais pas prendre quelques munitions en fait. Docteur Gould, ce sera tout, merci. J'ai planifié votre évacuation par le train avec le reste des civils. C'est tout ce que je peux faire pour l'instant. Colonel, vous ne comprenez pas. Jack Hargreaves peut répondre à toutes nos questions. Il faut faire un raid immédiat sur Roosevelt. D'après ce que nous savons, Hargreaves est déjà mort. A priorité, c'est l'évacuation. Attendez voir, vous allez me lâcher, oui? Désolé, Docteur Gould. On a d'autres chats à fouetter. Chino, amène-le au train. Oui, chef. Venez, Doc. Faut y aller. Désolé. Alcatraz, avec moi. Dutch, si tu veux. Je suis dedans. L'ami Gould s'est pointé en disant avoir faussé compagnie à Tara Strickland. Mon cul. Tara Strickland, c'était la crème des Navy Seals avant qu'elle pète un fusible. J'imagine qu'elle l'a laissé filer. Mais pourquoi elle ferait ça? Petit? Regarde tous ces gens. J'ai grandi dans cette ville. Chacun d'eux pourrait être de ma famille. Et si tout se termine de la même façon qu'à Linshan? Mais non, t'en fais pas, je suis là, je veille au grain. Bordel, y a rien qui marche ici. J'étais à Linshan. Strickland mourir. Quand Tara l'a su, elle a craqué, poisson, drogue, et pour finir, renvoi de l'armée. Son père doit se retourner dans sa tombe. Et maintenant, la voilà dans la SMP de Hargreaves. Martinez, qu'est-ce que c'est? Chef, ils entrent dans le grand hall. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Martinez, va sur les quais annoncer à Dickerson de faire partir le premier train. On ne peut plus attendre. Chef. Poste de tir. Grand hall. Montez donner un répit aux civils. Contenir la soignée. Allez, par ici, vite. D'accord, si tu veux, jeune dame. Hein. Je suis là pour ça. J'arrive pour les buter, chum dame. Arrêtez,
Par contre, j'ai juste plus de balles. Voilà. Je sens que là, on est franchement mal barré, mais bon. Où sont-ils ? J'ai plus d'énergie, je suis mal barré. Allez. Parfait, lui il est mort. Lui aussi. Il n'y en a plus. Oh là là. Eh mince alors. Compagnie Alpha, gardez vos positions. Il nous faut encore 20 minutes pour terminer l'évacuation. D'accord. Abattez tous ces enfoirés de poule. Allez. Non. Allez, mais avance, boulet intersidéral. Allez. Va falloir se mettre à couvert. Vous allez voir ce que je vais en faire moi. Voilà. Oh là 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 là, lui il me donne pas de confiance par contre. Voilà, là il y a un mur, ça va être bien. Remonte l'énergie. Voilà. Je l'ai eu, hein. Oh non. Allez, remonte. Allez, remonte. Allez, il est bientôt mort là. J'ai plus de balles. Ouais, bah toi t'es un homme mort. T'es un alien mort si tu peux faire.
Ouais, bah ça t'en fais pas, je m'en étais aperçu. Ah! Allez, allez. J'ai plus de balles. Voilà. Ça l'a fait mourir. Ça, c'était sûr en même temps. Elle est où la visite? Là-bas, il y a un Marines. Portrait. Stop! Attendez! Brouillez-vous! Le bâtiment s'effondre! Attendez! Elle est juste là! Je... On se dépêche! Allez! Mes jambes! Je sens plus! Nom de Dieu! Bon, faut que j'y aille là, non? Bon bah désolé, hein, on les a abandonnés. Mais en même temps, on n'avait pas franchement envie de vous mourir. Ici Barclay, à tous les Marines encore à poste en centre-ville. Le site d'évacuation secondaire est transféré à Times Square. Nous procéderons à l'extraction avant de transport blindé à Dame. L'interdiction de survol sur Manhattan a été levée le temps de l'opération. Rien à craindre du côté de l'Air Force. Mais notre fenêtre d'intervention est... Ok. Mais vous en faites pas, je suis là, je suis tout le temps là, moi. Je peux servir à tout. Voilà. On va attendre un peu. Ou pas. Ça dépendra. Mais j'arrive, vous en faites pas, je viens vous aider, moi. Mettez le tête dedans, détruis-moi si je réveille. Dutch. Ok. Oui, oui, t'en fais pas. Déjà un de battu. J'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie, j'ai plus de batterie. Elle va se recharger. Lui, il me rassure pas.
J'ai plus de balles. Il me faut des munitions. Bonjour. Je me suis trompé de touche. Allez, allez. Là, je dirais plutôt que c'est eux qui essuient des tirs nourris, mais bon. J'ai toujours plus de balles. Non mais franchement. Non. Bon, allez, recharge, recharge-toi, on est mal barré là. Il y a des monstres partout. On a vraiment plus de balles. Est-ce qu'il y aurait un truc de rechargement quelque part? Ah d'accord. Voilà. Toi encore. Allez. C'est un nouveau vaisseau? S'ils veulent.
Mais non, mais vraiment, là, c'est grave. Ok, il y en a deux là-bas. Voilà. Oh, mais vraiment là, c'est énervant. Voilà. Nanovision a concédé l'attaque alien. Voilà. Ça c'est fait. Voilà, je récupère de l'énergie, puis après je me fais le deuxième. Et voilà, le deuxième est déjà mort. C'est juste qu'il y en a un autre là-bas. Oui, mais là, franchement, ça va être dur. J'ai plus de munitions. Ah, d'accord. Oh merde. Allez, allez, il me faut un truc assez fort. Allez. Voilà, et encore une fois on est mort. On est à 7. Tenez bon, Marie. On y est prêt.
Cette fois, j'ai une idée, mais malheureusement, on la fera dans le prochain épisode. Allez, bye!